Shalom uvracha, Be'ezrat Hashem, on est avant la fête de Shavuot, Matan Torah. HaKadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Béné Israël. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, je vais toucher quelques sujets, Be'ezrat Hashem, avec mon livre que j'ai écrit, Ma'agale Yaakov, pour les fêtes. Be'ezrat Hashem, il va être traduit au français. Mais pour l'instant, il est en hébreu pour l'instant. Moraï Verabotai, dans la Gemara de Chagiga, on apprend Eno Dome, Shone Mea, le Mea Vechat Peamim. Vous savez, des fois, dans la vie, on essaye de comprendre quelque chose, on étudie une étude, ou on fait un business. On met tout notre effort dans le business, on met tout l'effort dans une étude qu'on veut comprendre, mais on n'arrive pas à comprendre. Oh, le business, il ne marche pas. Maintenant, si la personne, il va se dire, voilà, j'ai essayé, j'ai déjà fait 100 fois, j'ai essayé d'étudier, j'ai essayé de comprendre, par exemple, une halakha ou une gemara, 100 fois j'ai essayé. Je n'ai pas réussi de comprendre. Alors, bien sûr, Yetzirara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à la personne, puisque tu n'as pas compris, la tête, elle n'est pas bien, c'est pas pour toi de comprendre ces choses-là, alors laisse tomber. Ou la même chose, même, ça peut arriver dans le business. Des fois, quelqu'un, il veut faire un business, il investit, il fait toutes les choses que son business, il va réussir. Il prend tous les conseils qui peuvent exister sur la terre, toutes les choses qu'il fait, ça ne marche pas. Il a déjà fait 100 fois. Mais vous savez, des fois, il manque une autre fois pour comprendre la halakha. Des fois, il manque une autre fois pour que le business de cette personne il va réussir. Et bien, j'ai vu ça plusieurs de fois dans ma vie, soit dans la Torah, ou soit dans le business. J'ai vu des gens qui ont essayé de comprendre, au début, quand ils ont fait Teshuvah, ils ont essayé, et ça rentrait pas, ils n'arrivaient pas. Ça ne rentrait pas dans leur tête. Mais à la fin, qu'ils ont essayé tellement de fois, la dernière fois, avant de dire, ça y est, j'ai plus les forces de continuer, et là, ils ont compris. De la même chose, j'ai vu plusieurs fois dans le business, les gens, ils ont investi, ils ont fait des collections, et rien n'a marché. Ils ont investi tout leur argent. Maintenant, il leur reste leur dernier dollar. Les derniers dollars qu'ils ont, mamash, de faire un autre tricot ou une autre collection. Et boum, cette collection, elle prend, elle attrape et elle se vend dans le monde entier. Il devient l'homme ou la femme ou le business le plus succès qu'il y a. Pourquoi ça? Ça ne ressemble pas à une personne qui fait 100 fois, à une personne qui fait 101 fois. Ça veut dire, une fois que la personne, il ajoute un autre effort, cet effort qu'il ajoute, il lui donne toutes les portes qu'il a essayées pendant 100 fois, il souffre pour lui, ma mâche dans la dernière fois. Maintenant, on sait que de Shavuot, c'est Matan Torah, c'est le temps que HaKadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Béné Israël. Maintenant, toute l'histoire de Moshe Rabbeinu Alav HaShalom, qu'il a monté au ciel, qu'il a emmené la Torah au Béné Israël, c'est quelque chose d'incroyable. C'est marqué dans le Passouk où Moshe Ala El Elohim, que Moshe Rabbeinu Alav HaShalom, il a monté vers Dieu. Il a monté à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a une grande discussion. Ça veut dire, il a monté chez Dieu.
Vous savez, il y a nos savants, ils expliquent ça de façon que il y a qui disent que quand Moshe est arrivé à la montagne, il a monté la montagne et après il avait comme des angles, il a monté au ciel. Il y a d'autres chachamim qui disent non, Moshe il a monté dans la montagne et une fois qu'il a monté dans la montagne, Hachem il a fait descendre le ciel d'en haut, il a fait descendre le ciel d'en haut à en bas et le ciel de en haut et le ciel d'en bas, les deux ils étaient collés et c'est comme que Moshe Rabbeinu il a monté dans le ciel. Mais il y a une chose d'ici que je comprends, quelque chose d'extraordinaire. La personne, il est exactement où il veut se mettre. Si la personne il veut se mettre en haut, il peut arriver en haut. Si la personne il veut se mettre en bas, la personne il va se mettre en bas. Si la personne il veut arriver à un niveau qui monte vers le ciel, c'est tout dépend de la personne, l'effort que la personne y fait. Seulement l'effort. Si la personne y fait beaucoup d'efforts, eh bien, il peut arriver à monter vers le ciel et même il peut arriver à la chaise de Akadosh Baruch Hu. Et comment ça? Vous savez, je vais vous donner un exemple et on va essayer d'expliquer, on va essayer de comprendre. Maintenant, on va rentrer à l'histoire de Ruth à Moavia. Nous, on sait que Ruth, elle était de Moab, Dans le temps, il y avait une grande famine au Yerushalayim. Il y avait là-bas Elimelech. Elimelech, qui était le mari de Naomi, il avait deux gosses. Ils ont vu qu'il y avait une grande famine. Elimelech, il était grand tzaddik. Elimelech, il était même de la descendance de Yehuda, que lui-même, il a vu avec Ruach HaKodesh, que de lui, Mashiach, il va venir. Il a même vu que Mashiach, il va venir de lui. C'est incroyable. Alors, Elimelech, il était grand tzaddik, il était chacham, il était un savant. Tout le monde, il suivait Elimelech. Mais comme qu'il y avait une grande famine, Elimelech, il a dit à Naomi, on ne peut plus rester ici à Jérusalem, on doit déménager, on va déménager, parce que maintenant, il y a tellement de besoins, les gens, ils ont tellement besoin ils sont tous pauvres, alors tout le monde, ils vont commencer à venir à taper dans notre porte, et maintenant, ce n'est pas le temps de donner. On va déménager, on va aller à Moab, on va vivre là-bas au Moab. Et bien, Hachem, quand la famille elle va finir, on va rentrer à Yerushalayim. Naomi n'était pas contente. Naomi, c'était une femme qu'elle aimait donner, c'était une femme de chesed, c'était une femme qu'elle aimait que faire de mitzvot, de faire que de bonnes choses. Elle n'était pas contente que son mari, il veut aller à Moab. C'est exactement le contraire d'elle, parce qu'elle, c'était chesed, elle aimait à donner. Et on sait, Moab, comme Béné Israël, ils ont voulu rentrer en Eretz Israël. Moab, ils n'ont pas laissé Béné Israël passer par leur terre pour ne pas donner de l'eau au Béné Israël. Alors, Kadosh Baruch Hu, il les a dit, « Lo yavo Moavi bika Hashem » que le Moab, il ne pourra jamais, jamais se convertir. Maintenant, Dieu allait d'une place de chesed qui a que d'aider à y aller à une place de cruauté, ça ne marchait pas pour Naomi, mais elle a suivi son mari. Elle est partie avec son mari, ils sont arrivés là-bas à Moab. Maintenant, Elimelech, il a resté tzaddik, il a continué à faire ses mitzvot, il a continué à faire tout ce qu'un tzaddik fait, il a continué de faire. Il n'a pas arrêté sa Torah, il n'a pas arrêté ses mitzvot. Mais Hachem, il n'était pas content de ce qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu, il n'était pas content. Comment maintenant,
c'est un temps de famine, c'est un temps qu'il y a une grande souffrance en Eretz Israël, à Jérusalem. Et toi, tu quittes Jérusalem parce que tu veux garder ton argent et tu vas là-bas à Moab. Akadosh Baruch Hu n'était pas content. Alors, Akadosh Baruch Hu, d'abord, il a donné des signes. Il a donné des signes à Elimelech. D'abord, tous ces chevaux, ils ont commencé à mourir. Tous ces champs, ils commençaient à se brûler. Akadosh Baruch Hu, il a donné des signes. C'est, hey, réveille-toi. Akadosh Baruch Hu, il va pas venir te punir tout de suite. Il va te donner des signes de te réveiller. Mais Elimelech, il ne s'est pas réveillé. Et pendant 10 ans, Akadosh Baruch Hu, il a donné des signes. Mais il n'a pas suivi les signes que Hachem il a donné. Jusqu'à qu'il était mort avec des maladies, il était mort. Maintenant, on voit, il y avait les deux enfants de Elimelech, Mahlon et Kelion. Ils ont resté là-bas, ils ont pris les habitudes de Moab, ils n'avaient pas encore l'intention de rentrer à Yerushalayim. Même malgré qu'ils ont commencé, à perdre tout ce qu'ils avaient, ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait dans leur vie de leur père. Ils ont été mariés avec des filles qui n'étaient pas juives. Ils ne les ont même pas converties. Ils ont marié Ruth et Orpa. Ces deux femmes-là, ils ont venu habiter avec leur belle-mère, avec Naomi, elles étaient mariées avec des goyotes. Ils n'avaient même pas l'intention de leur convertir, c'est incroyable. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé, il a tué Mahlon et Kelion, les deux, ils ont parti. Maintenant, Naomi, elle a resté là-bas avec ses deux belles filles. Elle a dit à ses deux belles filles, écoutez, maintenant, voilà, j'ai plus rien à vous donner. J'ai maintenant une chose que je vais faire, je vais retourner à Yerushalayim. Je suis une femme vieille, je ne peux pas vous donner d'autres enfants parce que mes enfants, ils sont morts. Je ne peux rien vous donner. Alors maintenant, rentrez chez vous. Vous êtes des filles des rois. Vous êtes des filles importantes, des familles très importantes. Vous n'avez rien ici avec moi. Alors moi, je vais rentrer à Yerushalayim. Je vais rentrer à Bethléem. Et vous, rentrez chez vous. Maintenant, Ruth et Orpa, les deux, ils ont dit à Naomi, non, on veut rester avec toi. Maintenant, on voyait qu'ils avaient un amour pour leur belle-mère, ils avaient un très grand amour. Mais Naomi, comme qu'elle savait qu'eux, ils ne peuvent pas se convertir, comme qu'ils étaient des Moabis, ils ne peuvent pas se convertir. Alors, pourquoi vous allez quitter vos pays pour y aller à une place que vous pouvez même pas vous marier? Ça sert à quoi? Restez chez vous. Ruth et Orpa, les deux, ils n'ont pas laissé Naomi, et les deux, ils suppliaient Naomi. Ils ont fait tout pour rester avec Naomi. Mais Naomi, elle a essayé de les convaincre qui vient, c'est pas la peine de venir avec moi. Vous savez, regardez la différence. Orpa, après, elle était convaincue de rentrer chez elle. Mais Ruth, elle est venue chez Naomi, elle a dit à Naomi, ça y est, tu me blesses chaque fois que tu me dis de retourner. Tu me blesses. Je veux rester avec toi. L'histoire, Orpa, elle est venue chez Naomi, sa belle-mère.
elle a enlacé, elle a embrassé, les deux ils ont pleuré, et elle a retourné chez elle. Ruth, elle n'a pas lâché Naomi, même, elle n'avait même pas le temps de porter des chaussures, elle était pieds nus. Elle est partie avec Naomi pieds nus et Naomi il était en train de le essayer de débarrasser d'elle. Please, va, tu peux pas venir avec moi. Mais Ruth, elle était convaincue qu'elle va y aller jusqu'au bout. Elle a dit, ton Dieu, c'est mon Dieu et quand tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Je ne vais pas te lâcher. Il y avait un moment que, quand ils avaient cette conversation, Naomi et Ruth, quand Naomi elle a essayé encore de la pousser, Ruth, elle était tellement, et ça rentrait tellement dedans elle, qu'elle a dit à Ruth, à Naomi, là tu es en train de blesser ma neshama, tu ne peux plus continuer à blesser ma neshama. Je veux rentrer et même si je rentre avec toi et je ne veux pas me convertir et parce que je ne peux pas me convertir, eh bien je vais être avec toi. Je ne veux pas te lâcher. Et qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose d'incroyable. Que Naomi, elle est restée. Elle ne pouvait rien dire. Et Ruth, quand il voulait se lever, elle n'avait plus la force de se lever. Elle n'avait plus la force de se lever. Vous savez, on dit qu'on appelle la Torah Tushia. Pourquoi on appelle la Torah Tushia? Shemateshet Kocho Shel Adam. C'est quoi Tushia? Vous savez, la Torah, elle prend, quand la personne, il prend, Ol Malchut Shamayim, quand la personne, il prend la Torah, il fait la Torah part de sa vie, la Torah, elle enlève toute la force physique que la personne il a et elle donne d'autres forces qui sont spirituelles. Les forces physiques, il ne reste plus. Il y a des forces spirituelles qui rentrent à la personne. Et là, quand Naomi, elle a vu que Ruth, elle a perdu toute sa force physique. Elle a compris que Naomi, Ruth, elle ne va pas le lâcher. Et Ruth, elle va y aller jusqu'au bout avec elle. Et c'est ça exactement ce qui s'est passé. Et là, Naomi, elle a continué à marcher. Elle n'a plus rien dit à Ruth. Ruth, elle a continué à les suivre. Et Naomi, elle n'a plus dit, arrête, ne viens pas avec moi. Tu ne peux pas te convertir et ça ne va pas. Je ne peux pas te donner des enfants. Je suis une femme pauvre. Ça y est. Naomi, elle ne pouvait plus rien dire parce qu'elle savait que Ruth, elle a pris sur elle Akadosh Baruch Hu. Elle a pris Akadosh Baruch Hu. Elle a fait rentrer Akadosh Baruch Hu chez elle, dedans elle. Maintenant, quelle est la différence entre Orpah et Ruth? Orpah, elle a lâché, mais Orpah aussi, elle a aimé Naomi. Orpah, elle n'a pas voulu vraiment y aller à Jérusalem pour se convertir ou pour devenir juif. Elle a aimé tellement sa belle-mère, c'était par un amour qu'elle avait vers sa belle-mère. C'était par languir, elle ne voulait pas languir sa belle-mère. Mais ce n'était pas vraiment une approche vers la Torah. Ce n'était pas vraiment une approche vers Dieu. Mais Naomi, mais Ruth, elle n'avait pas cette approche que de languir Naomi. Elle avait une autre approche. Elle avait une approche de s'approcher à Kadosh Baruch Hu, de s'approcher au Dieu. C'est à cause de ça qu'on voit que Ruth, elle n'a pas lâché. Maintenant, l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Orpah, elle retourne chez elle. Et Ruth, elle continue avec
Naomi. On sait la continuation de l'histoire que Orpah s'est mariée, elle a emmené quatre géants, et un de ces géants c'était Goliath. On sait, on connaît l'histoire de Goliath, que Goliath il maudissait Akadosh Baruch Hu, il maudissait Dieu. Et de l'autre côté, Ruth, que de sa descendance, qui c'est qui vient? David. David Amelech, il vient de l'autre côté. Et David Amelech, qui vient de l'autre côté de Mamash, de l'autre côté, et qui fait la guerre avec Goliath, et qui est celui qui tue Goliath. Mais regardez, c'est incroyable. C'est là qu'elle a que lassé sa belle-mère et embrassé sa belle-mère, et elle a voulu continuer parce qu'elle ne voulait pas languir sa belle-mère. Qu'est-ce qu'il a? Elle a emmené? Elle a emmené Goliath. Mais c'est là qu'elle a fait un autre effort, et qu'elle a montré qu'elle veut d'avoir Akadosh Baruch Hu parmi sa vie. Elle a emmené la continuation de Melech HaMashiach, David HaMelech. Maintenant, vous savez, je vais vous emmener une Gemara. La Gemara nous raconte sur Rabbi Yochanan. On sait que Rabbi Yochanan, et la Gemara nous raconte qu'il était très 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 beau. Et la Gemara nous dit que Rabbi Yochanan, un jour, il était en train de passer devant la rivière. Il était d'un côté de la rivière. Et de l'autre côté de la rivière, il y avait Rish Lakish. On sait que Rish Lakish, on l'appelle Rish Lakish, le chef des voleurs. Maintenant, on a Rabbi Yochanan d'un côté de la rivière, on a Rish Lakish de l'autre côté de la rivière. Rabbi Yochanan, qui était très beau, de l'autre côté, que c'était loin, Rish Lakish, il a pensé que c'est de l'autre côté, c'est une femme, une belle femme. La Gemara nous raconte que Rish Lakish, il a posé ses affaires par terre et il a donné une seule, une fois, il a sauté, une seule sauté, et il est arrivé à l'autre côté de la rivière. Et Rabbi Yochanan, il voit quelqu'un qui saute d'un côté de la rivière à l'autre côté de la rivière. Et maintenant quand Rish Lakish, il arrive vers Rabbi Yochanan, il voit Rabbi Yochanan, il voit que c'est un homme, c'est pas une femme. Il lui dit, Yofiecha lenashim, ta beauté, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. C'est incroyable, j'ai sauté d'un côté à l'autre côté de la rivière. Rabbi Yochanan, vous savez maintenant, si c'était une histoire qui aurait été arrivée avec n'importe qui de nous, on aurait dit, ok, alors je ne suis pas une femme, je suis un homme, merci, au revoir. Non. Rabbi Yochanan, il était profond, il n'a pas vu comme ça. Rabbi Yochanan, il a vu, il a dit, Chelecha leoraita, ta force, elle est pour la Torah. Si tu as la force de sauter pour faire un avera, pour faire un péché, d'un côté de la rivière à l'autre côté de la rivière, si tu as une force comme ça, terrible, alors si tu changes cette force dans la Torah, tu vas arriver très loin. Et Rish Lakish, il se voit, moi, changer ma vie, je suis le chef des voleurs, je suis le chef, je suis Rish Lakish, comment toi tu me demandes de changer ma vie? C'est pas possible. Rabbi Yochanan, il a dit à Rish Lakish, tu veux une femme? Ma soeur, elle est beaucoup, beaucoup plus belle que moi. Je te donne ma soeur. Viens au Beit HaMidrash, je m'assois avec toi et j'étudie avec toi la Torah. Et là, Rish Lakish, il a fermé ses yeux, il a ouvert ses yeux, il a dit, vraiment? Tu vas me donner ta sœur? Il a dit, oui, je vais te donner. Et ta sœur, elle est plus belle que toi? Oui. Ok, j'accepte. Et je reçois Ol Malchut Shamayim, je reçois Akadosh Baruch Hu sur moi. Au moment que Rish Lakish, il a reçu
Akadosh Baruch Hu dans sa vie, il a emmené c'est une question incroyable de seulement recevoir. C'est même pas encore de faire les mitzvot, c'est même pas encore étudier, c'est même pas, vous savez, la teshuvah, quand quelqu'un veut s'approcher, d'abord il doit recevoir. Une fois qu'il reçoit, au moment qu'il reçoit, devant Akadosh Baruch Hu, il devient tzadik. Rish Lakish l'a dit à Rabbi Yochanan, donne-moi une seconde, je vais sauter à l'autre côté de la rivière, je vais ramener mes affaires. Il a essayé de sauter, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait plus la force. Il n'avait plus la force. Pourquoi il n'avait plus la force? Ce que je vous ai dit avant, la Torah, on appelle Tushia, Shematisha Kocho Shel Adam. La Torah, quand quelqu'un il prend la Torah, Akadosh Baruch Hu, il enlève toute la force physique, il lui donne une force de spirituelle, c'est la force spirituelle. Et maintenant, Rish Lakish, il avait plus cette force physique, il avait maintenant qu'une force terrible de Torah. Maintenant, pour s'asseoir et étudier la Torah, vous savez, c'est, des fois on pense de s'asseoir, venez, on va faire un shiur. Vous savez, c'est lui qui fait teshuva et qui veut s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Et vous savez, c'est incroyable. Le temps qu'il n'a pas perdu sa force physique, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment encore reçu la Torah sur lui. Hachem, il est avec lui, bien sûr. Que, je ne dis pas Chassé Shalom que. Mais la Torah, elle enlève complètement la force physique de la personne. Et on sait que Rabbi Yochanan, il a commencé à étudier avec Rish Lakish. Et après des années, Rabbi Yochanan, il demandait une question à Rish Lakish. Et Rish Lakish, il donnait 24 réponses à la question. Et quand Rish Lakish, il demandait une question à Rabbi Yochanan, il lui donnait 24 réponses. Quand les deux ils s'assoyaient et faisaient l'étude de la Torah, il y avait un feu qui sortait de Rish Lakish et Rabbi Yochanan. La Gemara continue et nous raconte qu'une fois il y avait une discussion avec Rish Lakish et Rabbi Yochanan, et de cette discussion, Rish Lakish, il était mort. Rabbi Yochanan, il a cherché Chavruta. Emmenez-moi un Chavruta comme Rabbi, comme Rish Lakish. Il a emmené Rabbi Yehuda ben Pedat. Il l'a emmené, il a commencé à étudier avec lui. Rabbi Yochanan, il disait quelque chose et il répondait, vous savez, ce que vous dites, c'est vrai. Il commençait à emmener des preuves de tout ce que Rabbi Yochanan lui dit que c'est vrai. Rabbi Yochanan lui dit, mais je ne cherche pas quelqu'un qui va me dire que j'ai raison, que j'ai raison. Je sais que j'ai raison. J'ai besoin de quelqu'un qui va me contredire. La Torah, ce n'est pas de dire quelque chose, de dire, ah oui, il a raison. Il faut trouver quelqu'un qui va être en opposition. Qui va être l'opposition. C'est pas quand tu dis quelque chose et tout le monde doit dire amen. Non, Rabbi Yochanan a dit, je cherche pas quelqu'un qui va dire amen à tout ce que j'ai dit. Je cherche quelqu'un qui va avoir ma marge de discussion avec moi. Mais ils l'ont pas trouvé. Il y avait pas un qui était fort comme Rish Lakish qui pouvait être opposition avec Rabbi Yochanan. La Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan est devenu fou. Il m'a même devenu fou. Chachamim, ils ont été priés pour lui. Il a retourné encore à lui-même. Il a dit, donnez-moi un chavruta, donnez-moi un copain que je peux étudier avec lui comme Rish Lakish. Ils n'ont pas réussi.
Alors Rabbi Yochanan, il a levé, c'est Dieu Akadosh Baruch Hu, il a dit, « Im lo chavruta azmituta. » Mon Dieu, si je ne peux pas avoir un ami qui je peux avoir un challenge avec lui, qui peut me prendre, on apprend tête à tête dans la Torah, je préfère de mourir. Ma vie, elle n'a plus de valeur. La Gemara nous répond, la Gemara nous dit qu'ils ont prié pour que Rabbi Hanan il va mourir parce qu'ils ont vu qu'il souffre, il souffrait beaucoup. Et là, Rabbi Hanan il était niftar. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Regardez, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit la force de la Torah. Et on a vu ça dans plusieurs générations. On a vu dans plusieurs générations. Je vais commencer. Dire des noms des grands tzadikim qu'ils avaient des maladies toute leur vie. Mais en même temps, ils avaient une force d'étudier la Torah 20h, 21h, 22h. Comment c'est possible? Oui, la force physique, ils n'avaient pas. Mais ils avaient une force qu'elle était spirituelle. Quand ils ont perdu cette force physique, Akadosh Baruch Hu, il les a donné une force spirituelle qu'ils peuvent étudier la Torah. La Torah, elle est devenue, eux-mêmes, ils ont devenu la Torah. Et c'est ça qu'on a dit au début, au Moshe, Allah et l'Elohim, que Moshe Rabbeinu, il a monté au ciel. C'est pas nécessairement qu'il a monté au ciel. Le ciel, il est devenu, cette terre, Rabotai, c'est une grande étude qu'on peut prendre, cette terre, ce monde qu'on vit. Voilà, Los Angeles, et Jérusalem, New York et Paris. Cette terre, on peut la rendre Gan Eden, on peut la rendre le paradis. Tout le monde, ils disent, moi, je fais les mitzvot parce que je vais aller au paradis. Mais tu peux avoir ton paradis ici. Le paradis peut être là, et ton paradis peut être beaucoup mieux que le paradis qu'il y a dans le ciel. Parce qu'on dit que Rabbi Alav HaShalom, il a dit, Rabbi Yehuda Anasi, Yafa Sha'a Achat im Korat Ruach Ba'olam Azeh Yoter Mikol Ha'olam Abba. Rabbi Yehuda, il a dit, une heure que quelqu'un, il a Shalva d'étude qu'il fait, une heure qu'une personne il s'assoit, il étudie et qu'il voit qu'il a il sent que son étude il a rentré dans sa neshama. Cette une heure, la valeur de cette une heure qu'il a pris dans ce monde, elle est plus grande que tout le paradis qu'il y a en haut. Ça veut dire quoi? C'est à moi de me prendre et de me mettre à ma place. Ma place, elle me fait. Ma place, elle peut me faire le plus grand tzaddik et ma place, elle peut me faire le plus grand rachat. Mais quand? C'est la décision de la personne. Maintenant, on retourne la route à Moabia. Ruth, elle a été jusqu'au bout avec Naomi. Elle n'a pas lâché, elle est partie, comme on dit en anglais, all the way. Elle n'avait pas d'intérêt. Son intérêt, c'était, elle voulait s'approcher à Kadosh Baruch Hu, elle voulait s'approcher au Dieu. Elle a dit, si je ne peux pas être juif, je ne veux pas être juif, mais je vais être proche à Kadosh Baruch Hu, je vais être proche au Dieu. Mais vous savez, dans la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Lo yavo Moavi bikal Hashem. La Torah, elle dit que le Moavi, il ne peut pas se convertir. Mais la Torah, elle n'a pas dit Lo yavo Moavia bikal Hashem. La Torah, elle n'a pas dit Moavia, une femme, un homme. Mais la Torah, elle n'a pas précisé une femme. Maintenant, regardez. Il y a des moments que des neshamot doivent descendre. Il y a des moments que Hachem il garde que le Neshamot il descende. Il y a aussi des moments que des halachot, des lois qui doivent descendre. Jusqu'au moment que Ruth
Elle, avant qu'elle est arrivée à Yerushalayim, écoutez ça, c'est incroyable. Chachamim, dans le Beit HaMidrash, ils ont compris que quand la Torah elle a dit Lo yavo Moabi bikal Hashem, que le Moabi ne peut pas se convertir, ils ont compris que le Moabi et Moabi, c'est la même chose. Vous savez que quand Ruth elle a rentré, écoutez ça, quand Ruth elle a rentré, et je vais faire l'histoire encore, et je vais raccourcir parce que c'est incroyable comme histoire. Elle a rentré, Boaz, on sait que Boaz, il était le chef de Sanhédrin, il était dans son champ. Naomi, elle a vu dans son roi HaKodesh, elle a vu que dans son roi HaKodesh, que si Ruth elle va être avec Boaz, la descendance de Melech HaMashiach, elle va commencer à descendre. Elle a pris Ruth, elle a mis dans le mikvé. Elle a mis dans le mikvé, elle a dit, va dormir à côté Boaz. Ruth, elle avait 40 ans. Boaz, il avait 80. Elle était à côté de lui, et Boaz, quand il s'est levé, il a vu une femme devant lui. Et elle a raconté son histoire, qu'elle est de Moabi et tout. Et l'histoire, elle était finie, qu'ils étaient ensemble. Boaz, c'était quelqu'un de tzaddik. Il a retourné au Bédine, il a dit, il a mis ses mains sur sa tête, il a dit, je fais, vous savez, c'est pas aujourd'hui on fait des péchés, on cache notre péché qu'on fait. Hein, c'est vrai. Chassé Shalom, moi je vais faire un péché, les gens ils vont savoir que j'ai fait un péché. Chassé Shalom, moi je suis un malach, je suis un ange. Comment, moi je fais des péchés? Pas chez les tzadikim. Boaz, il a rentré au Beit HaMidrash, il a mis sa main sur sa tête, il a dit, j'ai fait très grand péché, très grand péché, très grand péché. Qu'est-ce que tu as fait? Boaz, le chef de Sanhédrin, il a dit, j'étais hier avec une Moabia. Et la Torah, elle dit, Lo yavo Moavi, Bika, Hashem, Ken Moavi, Moavi, il ne peut pas se convertir. Et hier, j'étais avec un Moabia. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont répondu, Chachamim? Ils ont dit, ah, Boaz, tu sais qu'hier, tu n'es pas venu au Beit HaMidrash. Mais tu sais, on a pris une halakha. On avait une discussion dans le Beit HaMidrash. Et la discussion, elle était de quoi? Elle était ce que la Torah, elle dit. La Torah, elle dit, Lo yavo Moabi bikal Hashem, que Moabi, il ne peut pas se convertir. Mais la Torah, elle n'a pas dit que El Moabia, elle ne peut pas se convertir. Donc, hier, on a descendu cet halakha, on a décidé que El Moabia, elle peut se convertir. Ça veut dire, Rabotai, regardez ça, et c'est quelque chose d'incroyable. Tzadikim nichnasim derech ma'avar tamé. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les tzadikim, ils rentrent par un chemin d'une purité pour voler des grands neshamot. Et si vous allez voir toute la descendance de jusqu'à que Mashiach il va venir, c'est mamash des neshamot qui étaient volés, qu'au début ça a l'air d'être un grand péché, et tout ça pourquoi? Pour trembler le Satan, parce que le Satan, quand il sait qu'il y a un grand neshama qui doit descendre, il va aller faire beaucoup de bruit pour pas laisser cette neshama descendre. Et cette halakha, elle devait descendre. Chachamim devrait donner la permission que Moabia, elle peut être avec un juif, elle peut se convertir. C'était au moment que, mamash, au moment que Naomi, elle a trompé Ruth, et c'était au moment qu'elle est venue dormir à côté de Boaz pour emmener
la grande neshama de Ishaï, de Oved, pardon. Oved, il était né. Oved avait Ishaï. Oved, c'était le père de Ishaï. Et Ishaï, c'était le père de David Amelech Alav Shalom. Maintenant, de la même journée, Boaz, il était mort. Ruth l'a tombé enceinte. Elle avait 40 ans. Elle a couché Oved. Oved, il était travailleur de Dieu. Il a emmené Ishaï. On dit que Ishaï, il était tellement tzaddik que il était mort seulement parce que Hachem, il a dit que les êtres humains ils doivent mourir. La Gemara, elle témoigne, la Torah, elle témoigne qu'il n'a jamais fait une fête et un péché. Jamais fait un péché. Vous savez, on dit dans la Torah, un tzadik baaretz asher yaaseh tov ve'lo'yachta. Il n'y a pas un tzadik qui va faire que du bien et il ne va pas faire du mal. Mais là, la Torah, elle donne, elle témoigne de Ishaï qu'il n'a jamais fait une faute, jamais fait un péché. Et écoutez, maintenant l'histoire, c'est incroyable. Ishaï, il était marié avec Nitzevet Bat-El. Il était marié avec Nitzevet Bat-El. Il avait avec elle 7 gosses. 7. Maintenant, Ishaï, toujours, il avait un doute. Il avait un doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que l'histoire de sa grande, l'histoire de Ruth, il avait un doute qu'il a quelque chose qui n'est pas 100% cachère dans lui. Ça veut dire que même ses enfants, ils ont quelque chose qui n'est pas cachère. Alors, il est venu chez... D'abord, les Chachamim nous disent que pendant 3 ans, il ne s'est pas approché à sa femme. Et Ishaï, il voulait un autre enfant. Et que cet enfant, il va faire Kaddish pour lui. Cet enfant qui va être de la descendance de Mashiach. Alors, il a appelé ça la servante de sa femme. Avant, c'était autorisé, avant, il faisait ces choses-là. Il a appelé la servante de sa femme. Il a dit à la servante de sa femme, et bien sûr, il a pris la permission de sa femme, il a pris la servante de sa femme, il a dit, écoute, prépare-toi, et qu'on va, je dois emmener un enfant, qu'après, il va être, bon, moi, je sais que cet enfant, il est pur, il est 100% pur. Il est 100%, ça dit, 100%, il n'y a pas de doute. Je vais te convertir, je vais le convertir, il va être complètement juif à 1000%, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez, la servante, Roch Kodesh, elle est venue chez elle, elle a dit, fais attention, fais très attention, tu ne fais pas ça, tu n'as pas le droit. Va chez Nitzevet Bat-El, va chez la femme de Ishaï. Et tu lui dis qu'elle se prépare, qu'elle va au Migvé, qu'elle se prépare. Et au lieu que c'est toi qui vas rentrer dans le lit de Ishaï, ça va être sa femme, Nitzevet Bat-El, qu'elle va rentrer. Ils ont fait un trick. Et ils ont changé. Comme l'histoire de Yaakov Avinu. Comme Léa et Rachel, ils ont changé l'histoire, ils ont changé les lits. Et là, qui c'est qui rentre? Nitzevet Bat-El. Et là, ils sont ensemble. Elle tombe enceinte. Tout le monde y voit que sa ventre commence à grandir. Ishaï, il vient chez ses enfants, il dit, je ne comprends pas. Cette femme, je ne l'ai pas touchée déjà 3 ans. Comment elle est enceinte?
Ah. Ben les Zenonim. Ça veut dire qu'elle, elle a été, elle a fait péché. Alors, c'est un bâtard. C'est un enfant qui est bâtard, c'est pas mon fils. Les enfants, ils ont dit à Ishaï, on doit prendre notre mère et son bébé qu'elle est enceinte avec et on va leur brûler vivant. Bah, est-ce que ça arrive? On va leur brûler, on va leur tuer. Le père, il a dit non, on va pas brûler votre mère. On va la faire cacher, on va l'envoyer, elle va accoucher là-bas vers dans les montagnes. Eh bien, c'est lui qu'elle va accoucher, elle va accoucher. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pas tuer personne. Nitzavet Batel, elle a pas ouvert sa bouche. Pendant 23 ans, elle n'a pas ouvert sa bouche. Elle et son fils David, il était là-bas, dans les montagnes, avec. Il était le berger de son père. Pendant 23 ans, il était le berger de son père. Incroyable, écoutez ça, c'est incroyable. Pendant 23 ans, David Amelech, il est avec sa flûte. Et qu'est-ce qu'il fait David Amelech pendant tout ce temps-là? Il chante à Kadosh Baruch Hu. Il chante à Kadosh Baruch Hu. Le Tehilim, 150 psaumes de Tehilim. Vous savez d'ailleurs que David Amelech à la Vachalom, il était niftar le jour de Shavuot. On a le coutume de lire le Tehilim deux fois. Il y a aussi une coutume d'allumer 150 bougies pour chaque psaume de David qu'il a écrit. Mais bien sûr, si vous allumez 150 bougies, faites attention de ne pas brûler la maison. Faites attention, mettez les bougies dans une place que ça ne va pas créer Chavé Shalom, un désastre. Vous allez dire que ça serait à cause de Rabbi Yaakov Pinto, please. Faites attention, si vous avez l'intention d'allumer, faites attention. Vous savez, quand Shaoul, il a perdu Hachem, il a dit qu'il ne peut plus être roi parce qu'il n'a pas tué le Amalek. Akadosh Baruch Hu, il a appelé le prophète Shmuel, il a dit va chez Ishaï, un de ses enfants, il va remplacer Shaoul. Shmuel Anavi, quand il est arrivé à Hebron, Ishaï, il a eu peur. Ishaï, tout de suite, il a dit, wow, Shmuel arrive maintenant pour me dire que, Chas et Shalom, j'ai fait un grand péché et qu'un de mes enfants, il est bâtard. Ishaï, il a eu très peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va répondre? Vous savez, ce que nous on pense, c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu pense. Nous on peut avoir des idées, on peut avoir des pensées, on peut avoir des. Mais c'est pas. On peut faire des préparations, on prépare, et à la fin, d'autres choses ils arrivent. Et là, Shaoul et Shmuel Anavi, ils convoquent Ishaï. Ishaï, il a très peur. Il vient. Il lui dit, tu sais, que Akadosh Baruch Hu, que Dieu m'a dit qu'un de tes enfants, il va être le roi d'Israël, le roi de Yehuda. Il emmène le premier enfant. Non, c'est pas celui-là. Il emmène le deuxième enfant. Non, c'est pas celui-là. Il emmène le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, personne. Ishaï, il n'a même pas pensé David. Il n'a même pas pensé David. David, c'est rien à voir. C'est même pas mon fils. Shmuel Anavi demande à Ishaï, à ta moine arrive. C'est fini, il n'y a plus d'autres enfants. Il lui dit, oui, c'est fini. Mais j'ai un qui ne sait même pas moi. Il est là-bas dans les montagnes. Il n'est même pas moi. Il lui dit, viens, on va aller le voir. Ils ont été là-bas. Et quand ils ont vu David Amelech, quand ils ont vu David qui s'était quitté avec les. Il était berger. Ruach Hashem
Hachem Yidbarach, la Ruach, l'Esprit de Hachem, il a descendu du ciel, il a couvert David Amelech. Shmuel, il a dit, voilà, c'est celui-là qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi. Mais ce n'est pas mon fils, c'est celui-là qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a choisi. Akadosh Baruch Hu a dit, Meshéché Uli le Melech. Cette époque de faire, de mettre quelqu'un au roi, il lui mettait de l'huile. Et c'est marqué que Shmuel, la Navi, il était assis avec David et il a étudié avec lui toute la Torah de toutes les versions. Et quand ils ont rentré à Hebron, tout le monde, ils ont vu roi Hachem, ils ont vu l'esprit de Kadosh Baruch Hu sur David Amelech. Et tout le monde, ils ont vu et une échama qui est tellement kedosha, une échama qui est tellement grande. Et c'est ça que David Amelech Alav Shalom dit dans le Tehilim. C'est incroyable. Il dit, j'étais étranger pour mes frères. David, il était étranger parce qu'ils n'ont pas cru que c'est leur propre frère. Ils n'ont pas cru. Eux, ils ont cru pendant des années qu'il était bâtard, Chas v'Shalom. Mais encore, comme je vous ai dit avant, Tzadikim nichnasim derech ma'avar tamé leorid neshamot doshot la'olam. Tzadikim, ils rentrent dans le chemin d'une purité, mais ce n'est pas une purité, c'est comme un signe, mais ce n'est pas. Et là, on sait la grandeur. David HaMelech, qui était aussi Niftar, le jour de Shavuot. Mais regardez maintenant la mère, la Tzidkout de Nitzavet Batel, que pendant tout ce temps-là, elle a pris sans le cacher. Elle n'a même pas dit à son fils la vérité. Elle n'a même pas dit à personne la vérité. Quelle force elle avait. Des fois, ça, on apprend d'ici que des fois, quelqu'un nous fait honte ou quelqu'un nous fait du mal. De savoir comment d'attraper et de ne pas y aller et faire mal à la personne qui te fait du mal. Il faut savoir comment pardonner. Et c'était ici la grandeur de Nitzavet Batel. Maintenant, on va y aller. C'est aussi. Aujourd'hui, c'est un petit peu. Il y a tellement de choses à parler, Baruch Hashem, mais je veux, si vous avez le temps de voir tout ça, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est le temps, c'est Kabbalat HaTorah. Baruch Hashem, Kabbalat HaTorah, recevoir la Torah, et il faut connaître l'histoire, d'où on vient, et il faut connaître l'histoire, les choses. On sait que, aussi, Baruch Hashem Tov, Alav HaShalom, qu'il a emmené la Chassidut, Baal Shem Tov, il était Niftar le jour de Shavuot. Et on connaît beaucoup d'histoires sur Baal Shem Tov, c'est incroyable comment il a commencé. Son père, Rabbi Eliezer, quand il était vieux déjà, il avait 70 ans, mais il voulait un enfant. Et quand Baal Shem Tov, il était né, Rabbi Eliezer, il était tellement joyeux, lui et sa femme, ils ont dit, il a dit, mon kadish était né, vous savez, rappelez-vous, c'est mon kadish qui était né, ça veut dire que aujourd'hui mon kadish, celui qui va dire kadish pour moi, et on se rappelle, quand on emmène des enfants, c'est le kadish, alors il a dit, voilà, mon kadish était né, Baal Shem Tov, depuis qu'il était bébé, il était c'était une grande neshama qui est descendue pour faire un grand changement dans le monde. Des grands neshamot qui descendent pour faire des grands changements. Alors, Baal Shem Tov, on connaît beaucoup d'histoires, mais on dit qu'au début, il était maître des enfants d'école. Il était chochet, mais la plupart de son temps à lui, il le passait dans les villages, il partait à ce village,
il donnait des médicaments aux gens, il fabriquait des médicaments, il donnait aux gens. Il partait toujours tout seul, il te posait des doutes. Tous les concepts d'il te posait des doutes, c'est Bachem Tov. De sortir et d'être dans les montagnes, dans les forêts. Et là-bas en Russie, il y avait beaucoup de forêts. Et Bachem Tov, il a commencé à être connu par les gens simples. Parce qu'il donnait des camions ici, un médicament. Alors, toutes les simples, tous les gens simples, ils ont pris Bachem Tov et leur Rebbe. Et toi, tu vas être mon Rebbe. Voilà, il va dans le marché. Il est avec tout le monde, il est simple, il n'est pas. C'est pas un. Bachem Tov, il n'était pas avec son. Des habits de grand rabbin, il était toujours simple. Toutes les gens qui sont simples, ils ont pris Bachem Tov comme le Rav. Mais là, je voudrais vous dire une histoire. Et ça, par cette histoire, vous pouvez apprendre tellement comment on peut donner une vie à une personne. On peut donner une très grande vie à une personne. Vous savez, une fois, Bachem Tov, il était dans son balcon. Et là, déjà, Bachem Tov, il était déjà très tenu. Il était dans son balcon, lui. Il voit un homme vieux, qui a 80, qui porte de l'eau, il portait de l'eau. Et il marchait, c'était lourd. Il marchait, c'était très lourd pour lui. Et le Bachem Tov, il le regarde comme ça, il voyait un homme qui a 80, qui porte tellement lourd sur lui. Et le Bachem Tov lui dit, bonjour monsieur, comment ça va? Comment tu vas? L'homme il regarde, le Bachem Tov il me dit bonjour, comment? Le Bachem Tov, le gros Bachem Tov il me dit comme bonjour. Il lui dit, regarde, moi je suis vieux, toute ma vie j'ai travaillé dur, j'ai porté de l'eau, toute ma vie j'ai porté très, c'était... Mais j'ai pensé que je vais arriver à un certain âge, que je vais me reposer, je vais prendre ma retraite et je vais arrêter. Regarde, je suis 80 ans, je dois travailler dur. J'ai perdu ma femme, ma fille qui est mariée, qui a des enfants, son mari il est mort. Et ils ont tous venu chez moi parce qu'elle a... Et maintenant, je dois grandir une autre famille et je dois retravailler et je repris mon travail et je travaille très dur. Je porte l'eau et c'est très lourd pour moi, c'est dur pour moi. Et toute ma vie, c'est une souffrance. Ma vie, c'est une vie de souffrance. Bachem Tov, il est béni, il dit, je te bénis que Akadosh Baruch Hu, il te donne Nahat, qu'il te donne Shalva dans la vie. D'accord. Bachem Tov, il a dit, combien ça coûte de donner à une autre personne de sentir bien? Ça coûte rien du tout. Ça coûte rien. Combien ça coûte de dire à quelqu'un dehors bonjour? Rien du tout. Rien du tout. Bachem Tov, il savait qu'il passe à 10h du matin. L'après-demain, le Bachem Tov, encore il était dans le balcon, et quand le porteur de l'eau il passait, et Bachem Tov lui dit, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Comment tu vas aujourd'hui? Encore le Bachem Tov, il me demande comment je vais, quelle zéhout, quel mérite, et il était heureux, il était content. Et comme ça, un jour, deux jours, trois jours, après le quatrième jour, cinquième jour, quand le Bachem Tov, il lui demande comment ça va, le vieux, qu'il a 80, qu'il était faible, qu'il n'avait pas de force, il a enlevé l'eau, il l'a mis par terre, il s'est mis debout, très fort. Il lui dit, tu sais, Bachem Tov, tu m'as donné des forces, aujourd'hui, je me sens comme que j'ai 18 ans. J'ai la force d'aller, de travailler très dur parce que je sais que j'ai en train de... Je sens plus l'eau que je porte sur moi. Tu m'as donné une force que je sens plus l'eau.
et je peux y aller et je sais que je dois donner l'éducation des enfants de ma fille. Et c'est ça, Rabotai. C'est ça toute l'idée de tout le concept de recevoir la Torah. L'idée du concept de recevoir la Torah, c'est d'étudier la Torah et de prendre la Torah et de la mettre avec vous. Mettre Hachem avec vous. C'est comme que je dis toujours, oui, il est Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est où vous allez le placer. Si vous allez placer Akadosh Baruch Hu dans le placard, il va être dans le placard. Si vous allez placer Akadosh Baruch Hu dehors de votre vie, il va être dehors de votre vie. Si vous voulez placer Akadosh Baruch Hu avec vous, dans vous, il va être avec vous et Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite à vous tous Chag Sameach, Be'ad Hashem, Be'zchut Rabbi Chaim Pinto, בזכות רבי משה אהרון פינטו, מפר עליו השלום, בזכות מאמר, ז'בוסווה דבוטוס, חג שמח, בעד השם, כעובר וסובר לתורה, ונו לפאפ, רגעדי, תות לנסיון, כאיזון דלווה, פרסוני דונס אבק זה, לליב דלווה כאיזון, נו עונה לסל פאפ, כאונטרון לתורה, et qu'on danse avec notre loi, les 613 lois de la Torah. Est-ce que vous avez vu une nation qui embrasse les livres de leurs lois? Ça n'existe pas, ni en Amérique, ni en France, ni nulle part dans le monde. Mais nous, on embrasse chaque fois que la Torah, elle sort de Echa. Qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on embrasse la Torah. Pourquoi on fait ça? C'est la vérité. Alors, Be'at Hashem, on va aller avec cette vérité, on va gagner. Et Mashiach, Tzidkenu, Yavo, Bimera, Be'amenu, Amen, Amen, Be'amen, Be'ezrat Hashem, Be'at Hashem.